Le meilleur, écrit par Payam Ebrahili, illustré par Reza Dalvan, édité par Les 400 coups, Québec. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de famille, l'histoire de la famille Meilleur. Dans la famille Meilleur, il y a le fils, la grand-mère, le grand-père, la mère, le père, la sœur et enfin le frère. Vous aurez remarqué que dans cette famille, on est des sportifs. Il y a un haltérophile, une joueuse de tennis, un nageur de compétition. On est également, d'accord, non seulement des sportifs, mais également des champions. Tous portent quasiment autour de leur cou une médaille. Le père de famille brandit même au-dessus de sa tête son dernier trophée. Vous aurez remarqué aussi que être de grands champions ne leur donne pas particulièrement le sourire, ils ont l'air particulièrement revêches. Enfin, dernier petit détail, ils ont au-dessus des lèvres un grain de beauté. Et oui, Alex est né dans une famille de sportifs. Tous les membres de sa famille, les meilleurs, sont des champions. Mais Alex ne ressemble en rien aux membres de sa famille. Il n'est pas bon dans les sports et il ne veut pas devenir champion. Il n'a même pas ce gros grain de beauté au-dessus de la lèvre comme tous les meilleurs. Depuis qu'il est bébé, sa famille fait tout pour qu'il devienne néanmoins un athlète. Son père lui répète: Tu dois faire ce qu'il faut pour nous rendre fiers. Tu dois remporter une foule de trophées et porter la médaille d'or autour de ton cou. Tu dois devenir le meilleur, un vrai meilleur, un véritable champion. Alex doit donc apprendre à manger comme un champion, à dormir comme un champion, à rêver comme un champion, à s'entraîner comme un champion. Mais rien à faire. Alex n'est pas comme les autres meilleurs. Son père lui dit alors: Oublie l'idée de devenir un champion. Tu ne pourrais même pas être le porteur d'eau. Puis il soupire et continue. Qui pourrait croire que tu es de cette famille? Tu n'as même pas ce gros grain de beauté sur ton visage. J'espère que mes ancêtres vont me pardonner d'avoir un fils comme toi. Alex n'aime pas décevoir sa famille. Plus que toute autre chose, il n'aime pas voir son père aussi en colère contre lui. Alors il tente le tout pour le tout, afin de plaire à son père et à tous les meilleurs. Il réfléchit longuement et il trouve l'idée parfaite. Un pot de peinture rouge dans une main, un pinceau dans l'autre, il va dessiner sur chaque visage un beau sourire. Il travaille fort pour obtenir le plus beau résultat possible. Alex fait tout ce qu'il peut pour que la famille ait l'air contente. Alex est certain que tous les meilleurs sont maintenant heureux et fiers de lui. Il a même ce gros grain de beauté au-dessus de la lèvre, comme tous les meilleurs. Il peut enfin se considérer comme un membre de la famille meilleure, du moins, c'est ce qu'il pense.